Let's go. Ouais. On nous prend une petite vidéo d'été quand même. T'as remarqué la zone grisée sur carte, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière, Frank. Puis la périphérie de carte, c'est juste parce que je veux que vous sachiez qu'il n'y a rien à aller voir là, à part voir une fin de map qui est pas belle. Fait que j'ai fait exprès pour nous en distancer. Fin de map? Mais ça c'est du désert, ça doit être du désert. Ouais, mais tu sais, ça tombe jaune-orange ben ben clean au lieu d'avoir des roches pour faire un beau désert. Fait que j'essaie de nous garder au moins un kilomètre de. Il n'y a aucun objectif dans la dernière bande de kilomètres, autant au sud qu'à l'ouest, là. Tu comprends? Jimmy, ça vient-tu? Ah ben, sais-tu quoi? Messieurs, Fallen. Chris va pas, non? Ben non, hein? On va juste la droite à la gauche. Yodi? Carlo. Désolé. Alors recommence-moi ça clean, Plante. Plante Bravo 1, Carlo groupe d'assaut. Fontaine Bravo 2, C6 groupe d'assaut 1. Randy Charmer, Rifleman groupe d'assaut numéro 2. Écoute ça, Rifleman, Charlie 2, groupe d'assaut numéro 2. Coden Delta 2, C6, groupe d'assaut numéro 2. JF Couture, Delta 1, Second IC, groupe d'assaut 2. F Gauthier, Supreme Commander, groupe d'assaut numéro 1, First IC, sonnerie Dieu, magnifique garçon. Et j'en passe. Et j'en passe. Magnifique garçon, tu vois ça sur quoi? You can beat the pinch, man. Bon, c'est pas parce que t'es un dieu que t'es beau. Le dieu était pas pire. Bon! Messieurs, ce soir, on continue notre principe qu'on a fait comme la semaine passée. Ouais, mais toi, il y a ligne. Comme qu'on a fait la semaine passée, à la différence de la semaine passée, quand on procédait pour que ça aille plus vite, les objectifs vont être scannés par hôtel rapidement avec notre TCC. On prend de l'avance pour éviter que des grands délais. Donc, dès qu'on va se diriger sur la zone aujourd'hui à coordonnées 081-150, une possibilité d'ennemi dans ce secteur-là avec une possibilité de cache. Donc, ah oh oui, Plan, faudra que tu t'amènes un détecteur de métal. Ouais, c'est juste. Non, pas lui. Donc, on va scanner la zone, éliminer la menace, mettre notre charge sur la cache d'armes, revenir à la base, défendre la base pendant. On va défendre la base hôtel. On va repartir et scanner la zone afin de trouver un deuxième objectif afin de faciliter notre travail pour éviter qu'on ait de longues périodes d'attente. Autre point. Donc, on va défendre la base aujourd'hui puis on va le tester pour voir si c'est une bonne méthode. GF a trouvé trois places, ben quatre places, mais une qu'on a cancellé étant donné qu'on met deux groupes. On a mis trois positions. Position défensive Bravo, position défensive Alpha, position défensive Delta. Chacun des groupes va s'installer à sa position. Position défensive Alpha et Delta sont déjà fortifiés. Il manque seulement celle de Bravo à se fortifier. Pour ce qui est de Charlie, je vous ai fait une MRZ Alpha à l'aide d'un véhicule le plus blindé des trois véhicules. Vous allez patrouiller cette piste de piste d'avion de brousse afin de pouvoir contrôler tout ce qui arrive de l'ouest et de l'est. En plus de porter main forte aux différentes positions si ceux-ci en ont besoin. À noter que la semaine passée, le gros défaut qu'on a eu, c'est qu'on était bunké en dedans, donc on a des cibles faciles pour les RPG. On a des grosses cibles à l'intérieur, hélicoptère, véhicule, tôt, c'est facile qu'un RPG de dégommer la moitié d'une section à l'intérieur. Quand on se fait attaquer, les appareils médicaux et le Little Bird vont quitter le secteur pour éviter d'être des cibles, puis on revient justement après l'assaut. On a des questions? C'est qui va les faire bouger? Oui. C'est
JP, amène-toi tes satchels dans ton appareil. On reste mobile. C'est-à-dire, dès qu'on a besoin de stock, on le ramasse dans ton appareil, on le fait sauter, puis on part. Ah, connais une question. JF Précision. Ouais. Est-ce qu'on garde les silencieux? Non! Bah! 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 Dégage! Je pense que je vais aller faire la job de ça. Vous pouvez mettre vos NVG aussi dans vos packs sacs pour pas les abîmer. Ils n'aiment pas le sable. JF Précision aussi, Gauthier. JF aussi. Alright. Messieurs, il y avait un petit bug, je m'en suis rendu compte. En fait, c'est l'état de conscience. Nos cargos logistiques, les quatre qu'on doit conserver, qui sont brisés uniquement après chaque ronde de 5 minutes avec ennemi dans la base. Maintenant, si l'ennemi est inconscient, ça ne brisera pas les containers. Il ne comptera plus dans la loupe de délai, là. Ça veut dire que si on oublie de double taper à l'intérieur de la base, ça ne nous baisera pas dans le cul là, par en arrière. On va être capable de garder nos containers. Mais ça serait bon de le trouver, même s'il va mourir après ça au bout de son sang après une demi-heure. Là. Mais tout ça pour dire qu'on va avoir une meilleure tolérance pour nos containers ce soir. Ouais. C'est cool, hein? Ah, disons qu'après la douche... Parce que réchauffement pas. Voilà. All right. Good. Bon, est-ce qu'on va foutre le bordel quelque part, là? Allez, va. JP, es-tu prêt? Je vais aller chercher un mind detector. C'est beau, il y a genre mangé robot. Oui, il y a quelque chose dans sa voix, hein? Ouais. On dirait qu'il est au ralenti. Ça devient comme grave si tu ralentissais là, une demi-fraction de seconde la voix, là. Ouais. Donc, messieurs, vous pouvez vous diriger autour du Little Bird. On va être prêt à décoller. Silencieux off, messieurs, on fait beaucoup de bruit. Wow. Bon, il y en a un qui saigne. Les blessés, félicitations, futur. Quand tu veux, les gars. JP, si t'as Zeus, tu peux Zeuser à Couture, il s'est pitché en bas d'un truc. C'est Jeff qui a Zeus. Hey, ça te dérange pas, j'ai déjà parti mon vidéo, pas le couper, log-toi donc Zeus, puis garde-le, man. Techniquement, tout devrait aller de soi, anyway. Ça va être juste des interventions buggy. Alright, on a une C6 de chaque bord? Ouais, mais là, je suis à l'arrière, par contre, je suis sur une place. Ok, t'as un petit peu, je vais sortir, j'ai une place centrale, moi. Hop, ok, ben va l'autre bord. Va l'autre côté à Coden, je vais aller du même côté que toi tant qu'à ça. Ah, ok. Qui est devant là? C'est qui est assis à droite de l'hélicoptère en avant, sur les bancs? Ouais, c'est moi, ça se passe. Tout le monde, on est assez de, il y a assez de place pour tout le monde. Ouais. Je peux pas dire mon écran. Hey, la transition. Le changement de menu là pour Zeus. Oui. Presque instantané, man. Excellent. Oui, d'ailleurs, mon arsenal tantôt a vraiment bien fonctionné. Alors, pour l'instant, la mise à part. Jeff, tu vas passer avec le reste de la section, tu vas venir me chercher par la suite. Reçu, il n'y a plus de place. Non. Ah, voilà. Ton silencieux si tu veux faire du bruit. Pourquoi j'ai toujours mon silencieux? T'avais pas de place quand tu visais sur ton linge, genre. T'as eu l'impression que tu l'enlevais, mais t'as dragué dans du plein. Ouais, exactement. Bouchons d'oreille, messieurs. Ah, pour les verbes, on peut pas mettre le silencieux sur l'hélicoptère? Il y a une fonction hein, dans tes options. India Minor à India à vous. Ça s'appelle aller sur la map. Ça devrait, oui. Un Minor, est-ce que j'ai manqué l'ouverture du réseau? À vous. Non, on l'avait pas faite parce que t'avais oublié ta radio. Excellent, ben je t'entends pas avec clair. Terminé.
position 360, au moins 50 mètres d'hélicoptère quand on débarque. On va attendre sur place jusqu'à temps que Sonnerie nous ait rejoint par le deuxième transport. Information, contact possible à l'est, point du Elton. Copy pour l'est. On se distribue comment dans le 360? Bravo, vous allez prendre l'est vers la menace. Pour le reste, on remplit les trous par l'autre côté. On peut approcher à plus basse altitude. Bon, ben on... Stresse pas notre équipe là. Je suis pas de On s'est fait tirer dessus qu'on était deux là, le carré. Deux kilomètres. Deux kilomètres. Ouais, donne une chance. Quitte à avoir... ouais, dépasse pas le dernier oasis d'arbre avec les roches que je vois à droite, JP. Laisse-nous avant les grosses roches. On le fera à pied. Ouais, je pense que j'aime mieux ça, JP, le temps que t'ailles faire un autre transport, là. On va vous donner 1,6 km. Copé. JP, on va sûrement procéder un petit peu vers l'est. Fait... Ouais. En fait, 1,3 km exact. Copé. Touchdown, out, out. Hold up. Charlie, tu vas nous faire voyager à pied environ un bon 300 mètres vers l'est, s'il te plaît. Bien reçu. Je pense qu'il y a un autre set de roches assez élevé. Amène-nous environ là, qu'on a encore du cover vers l'est. Charlie moving. Bravo, fermez la marche. Bravo. Adopté que RTB, ça veut dire que t'es officiellement à la base. RTB pour Romeo Tango Bravo pour Returning to Base. Oui, mais c'est pas dire Return to Base, on l'avait été déjà à base. Whatever. Non, prochain set de roche, Charlie, est-nord-est. Ouais, encore un 2-300 là. Ma distance était un peu erronée, mais t'es enligné pas mal sur ce que je veux plus loin là. Ok, là je suis aligné, m'entends? Ouais. Alright. Le prochain, aligné vers l'est-nord-est. Dépasse pas dépasse pas le point LZ sur carte. À moins qu'on soit rendu à la roche et qu'on puisse en défendre facilement. Là. Bon, ouais, on va se rendre à la roche. Amène-nous jusqu'au gros rocher que tu as en pleine face, 12 heures.
Un minor à sonnerie à vous. Sonnerie ici, un minor à vous. Pourquoi je suis fatigué, moi? En principe. Section, c'est-tu juste moi ou votre stamina baisse, vous autres aussi, même si le gun est down, à vous? Ça me l'avait fait la dernière session. Ouais, ça descend aussi, j'imagine que le sable est plus agressif. Ouais, ça baisse assez vite, ça remonte pas vite non plus, j'ai essayé tantôt le 10. Copé. On termine la marche, messieurs, on est rendu là. Charlie est presque sur point. Oui, sir. Allez, écoute. On est en direction ici à peu près 2 mètres avant notre arrivée, à vous. Un minor bien reçu. On est présentement à environ 100 mètres là. On va être proche des gros rochers à proximité du point LZ Alpha. À vous. Reçu 100 mètres à l'est ou au nord, à vous? Est. Oui, reçu, terminé. Phew! Je suis à bout de souffle. Charlie, vous allez vous faire relayer par Bravo pour l'est. Passez nord-nord-ouest. Delta, on va s'occuper sud. Charlie, attendu! C'est bon. J'ai bien compris. Prends le côté plus vers l'est, la menace est par là en théorie. Un minor sonnerait à vous. Suis. Envoyé. Un minor, vous pouvez faire encore 500 mètres nord-est de la position sur laquelle vous atterrissez. On est présentement libre, pas d'ennemis sur notre position. À vous. Reçu 500 mètres nord-est du LZ. Smoke orange sur position. Minor terminé. Hôtel ici, sonnerie. Hôtel. Frais d'atterrissage moins périlleux, j'ai la jambe cassée. Ouais, idem ici aussi. Pierre? Ouais? Qui est-ce qui est en admin actuellement? C'est JP? JP, ouais. Ok, dès qu'on peut lui parler, devant lui, parler, passer le moniteur DS à 15 ou 20 secondes. JP, m'entends-tu ça à sa cam, à vous? Oui, si, un visuel sur votre smoke. Un hard copy. On vous attend. On est en défensif présentement. JP, me reçois-tu ça à 5 ans? Alpha, on approche sud-ouest vers le nord-est. Non, je pense qu'il ne l'a pas configuré. Ouais. Deux ici, hein? Deux. Charlie, es-tu briefé pour son avancée? À vous. Deux, je me mets là-dessus immédiatement. Charlie, prépare-nous un petit chemin. On va dépasser LZ Alpha. Tu vois marqueur rouge sur carte. Tu nous amènes à 50 mètres à l'extérieur de ce marqueur rouge-là. Bien reçu. Stand-by le mouvement. Alpha 1 est en train de nous rejoindre par le sud-ouest, environ 2 minutes. Et la tempête revient. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait. Moi, je trouve que ça fait une belle ajout au décor. C'est sûr qu'on voit plus grand-chose.
Il n'y a qu'un hôtel qui peut se faire plaisir encore. Dès que tu te décolles le plus du sol, ça va mieux. Le serveur, là, pour l'instant, on l'a pas stressé pour dessous. Hein. Non, je le vois là, il est très... Jeff Couture, c'était de quel côté tu veux qu'on arrive? Et quelle distance déjà? Garde de même côté dans lequel on arrive, là, mais je veux que tu vises le marqueur rouge sur carte, c'est la zone probable pour la cache, mais aussi pour des IED au sol. Fait que fais-nous pas rentrer à l'intérieur du secteur, mais amène-nous à proximité. Bien reçu. Alpha est sur nous, c'est quand t'es prêt, Charlie. C'est bon, ça sera pas long. Ça va être Charlie, Delta, Alpha, Bravo. On prend une bonne distance, messieurs. Au moins une ligne de chaque tac entre chaque unité. Hôtel ici, sonnerie. Hôtel. C'est bon, Charlie Moïse. Contact à vous. Négatif, là, on veut pas trop approcher le théâtre là, pour pas attirer trop de méchants. Là, mais pour l'instant, j'ai visuel sur vous, mais j'ai pas visuel sur aucun tango à vous. On va rester au nord-est de votre position. Dans le nouveau Shaktak. C'est parfait, Charlie, on vous suit. Ah si si, c'est vraiment cool. Hein? En pratique, mais plus cool. Oui. Frank va falloir gérer un peu mieux le stamina. Il drop facilement, même en ligne droite, gun down. Ouais, ça que j'ai vu, juste bander, ça veut brûler ma stamina. Ouais, nous autres aussi, c'est confirmé pour l'équipe. Non, si c'est pas quelque chose dans tes scripts. Ouais, c'est serveur ça, j'ai un endroit pour configurer ça, ça a peut-être pris le bord. Ouais, parce que je pense que ça fait la même chose sur Sherman. Comment le blanc dirait ça? Ça sonne comme un problème personnel. Négatif, on va refaire les settings. JP, est-ce que tu m'entends? Non, il n'est pas configuré sur sa deuxième. JP, est-ce que t'as configuré le secondaire sur 2-1? Je pensais que oui. Eh bien, je te confirme que non. Charlie, on va faire une halte courte. On va faire formation PAC-D sur Charlie. Facing S. Test de 1. Je pense que je me suis... Ah, merde! Je me prends pour un B. Excuse-moi. Alpha Bravo, prenez ma droite, direction sud. On s'en vient, Delta. Excusez, c'est dyslexie de ma part. Hein? On prend le back D. Hello. Hello, dear. Hello there, General Kenobi. Merci, Coden. J'ai le cerveau en vrille. Tu fais bien de m'en parler dans ce temps-là. Mais la stamina revient assez vite pareil. Ouais, je suis d'accord, à vue d'œil, effectivement. Mais on va corriger les settings dès maintenant, sauf que faut restart ta mission, ce qu'on fera pas, fait qu'on va endurer ça ce soir. Plante et la personne qui m'a dit pour ton stamina, dès que ton stamina est go, Charlie va bouger. Holy shit que ça voit gaffe. Ouais, vraiment, hein. T'es un autre homme. Il a mangé du, C'est peut-être la voix d'un gars qui a pas dormi depuis une couple de jours avec un nouveau bébé aussi, là. Il a mangé du rabot. L'argon, ça c'est de l'argon qui fait la bouche.
Hôtel, décrochez, 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 hôtel. Coup de feu. Reste facilement à 2 km de nous, JP. Hôtel. Pas moi, j'étais prêt? Ouais, bravo, prêt. Turn moving. Hôtel est toujours sur ennemi. Je surprends note que hôtel se fait détecter, donc ennemi alerté. Yay! J'entends les coups de feu à l'est présentement. Petite remarque, il faut qu'on prenne l'habitude de prévenir vers l'ouest, j'aurais dû quitter vers l'ouest, vous allez directement dans la gueule du loup. Charlie l'a calé. Hôtel. Ouais, c'est pour ça que j'ai bougé, mais ceinturé protège. Ouais, je la comprends pas, vous non plus. Attention, Charlie, hein, les coups de feu, c'était dans votre direction. Oui, bien sûr. Toujours. Ça a toujours été dans la... Oui, c'est vrai. C'est toujours, c'est toujours, on vous envoie toujours vers les coups de feu. Nous sommes rendus sur rond. Copy, on reprend BACD vers l'est, messieurs. Ouais, c'est parfait. Rocher. 2 à 1. Je suis installé sur le jeu. 1. 2, on est à 50 mètres de la zone déclarée. Ça a peut-être rendu le show de Bravo à ce stade-là pour les ID, à vous. Ah, il était pas détecté? Non. C'était le 50% du cercle. Alors, je faisais tirer dessus. Non, mais il y avait quand même un cercle. Il y a une cage dans le coin, c'est ça? Exact. Ah, OK. Donc, Bravo peut continuer à faire des sondes. T'as ton toolkit? Bravo, vous avez toujours un toolkit? Oui. Copy. Fais donc une petite sonde là, juste pour voir si on est en proximité de la cache. Ouais, on est dans 100 mètres, toi, 100 mètres. Copié pour 100 mètres. Reçu. Section, gun up, slow pace, on dirige direction S. Plante, tu scanneras de temps à autre pour voir si on se rapproche ou non. Précision pour plante, si jamais tu pognes le marqueur 50 mètres le plus petit, avertis-nous tous parce qu'on va faire une halte, on veut pas marcher, c'est IDs. Copy. Vraiment reçu. J'ai marqué les quatre extrémités du cercle, ça m'a. Ok, c'est bon, parfait. Bon, ben c'est ça, on rentre pas là-dedans. Section les yeux au sol une fois de temps en temps, regardez où vous marchez. Section formation wedge, formation wedge. Copy pour formation wedge sur Charlie. Sonnerie, c'est hôtel à vous. Sonnerie. Hôtel demande autorisation d'aller chercher un drone léger là, pour vous suivre sur le théâtre des opérations à vous. Affirmatif. Roger, on va poser le chopper. Hôtel sous feu ennemi encore. Charlie, continue à procéder, on va s'épouser à votre formation. Charlie est en attente pour de retour dans deux minutes, je pense. Il y a quelque chose qui est sorti. Ah, copy. On le laisse sur place, on continue, messieurs. C'est encore ton toolkit. Mon bravo 2 vient d'être déconnecté. Plan des out. Reçu.
Son corps est-tu pas loin? Encore. Oh, tu perds un temps. Un peu continue, bizarre. Messieurs. Hôtel sonnerie. Hôtel, on va vous ramener plan. Affirmatif. Hôtel. Couture, dirige-toi vers le cercle le plus au sud. Le plus au sud. Ouais, on va te laisser passer puis on va réépouser la formation rendue là. Je comprends absolument pas où c'est qu'il veut que je m'enlève. Ah, les 4 points, je pense qu'il fait allusion aux points sur carte. 1, 2, 3 et 4. Celui au sud. Je vois absolument pas 1, 2, 3 et 4, je vois juste des carrés. Tu vois pas 1, 2, 3 et 4 sur carte? Ils sont un petit peu plus... Ouais. Bon, peut-être j'ai perdu le visuel, est-ce que tu suis encore? Ouais, je suis là. Yes. Il y avait un petit bug, là. Ouais, je viens de voir Fontaine perdre sa couleur. On a perdu notre radar, là, c'est ça, hein? Affirmatif, on se calme, on regarde les yeux ouais. Ouverts. Ouais, capé. Ici Charlin, je suis de retour. Vous êtes sur quelle position? Dirige-toi en direction sud-est de ta position. À peu près 100-200 mètres. Bien reçu, merci. Couture, à ton ouest, là, il y a une genre de gros rocher, là. À mon avis, on va checker ça là-dessus, là. Le gros rocher avec qui descend à ta droite. Moving. Bravo Alpha, on dépasse, on se dépêche pour aller à gauche de Charlie. À gauche de Charlie. On va contourner le rocher par la droite, nous autres, Coda. Vraiment qu'on est loin des explosifs. Ouais, c'est pour ça que je garde les yeux ouverts, là. J'en ai aucune idée rendue à ce stade-là. Mais ils sont quand même apparents, là, si tu prends la peine d'ouvrir les yeux. Ok. Ben, ça vient parce qu'en plus, on commence à voir des choses. Ouais, moi, c'est arrêté, la tempête, là. Mais je pense qu'on est synchro avec le serveur. C'est pas juste client, là. C'est la tempête pour tout le monde en même temps. Ouais. À part les délais de latence de tous et chacun, là, mais... Ça vient de s'écrouler sur le serveur. Ah ouais? C'est passé de 48 à 26. Oh, Sonnerie, c'est hôtel à vous. Bon, ben c'est un indice pour nous, ça. Hôtel, oui, dans le secret des dieux. Coordonnées 081148, j'aurais dit 081148. 081148, en direction. Section halt, on stoppe ici. Puis on attaque Plante revient avec le chopper. Delta, on va viser le nord. Ouais, hein? Ouais. Moi, je pense que c'est Respawn qui a créé ça. L'hélicoptère de Respawn. C'est vrai que c'est exigeant, là, mais il est contrôlé de près jusqu'à temps qu'il atterrisse quand même. Là. Ouais, je comprends. T'es-tu en yelling, Coden? Je t'entends faiblement. Ouais, j'étais en normal. Ouais, c'est mieux comme ça, ouais. Là, on est à 14 et puis on remonte plus. Ouais, il y a peut-être un load à gérer, c'est juste qu'on ne l'a pas en visuel. Ah ben là, on est passé de 48 à 14 dans l'espace de 30 secondes. Ouais. L'autre chose à vérifier d'abord, Coden, dans le cycle, c'est les arrêts de tempête de sable.
il peut avoir un memory leak là-dessus, ça date un peu ce script-là. Ouais, mais pour l'instant, ça n'avait rien fait. C'est quand il arrête que j'ai un soupçon. Pour l'instant, ça n'avait jamais rien fait. Ah, ok, je comprends. C'est juste là, tout d'un coup, là, je l'ai vu, là, ça s'est... c'est vrai. C'est parce qu'on est plus. Contact ouest, ennemi en approche. Un mètre. Environ 200 mètres. Ouest, 200 mètres. Protège-toi de l'ouest un peu, Coden, quand même. 5 fois. Là, c'est... Fontaine va s'approcher à bord. Vu. Bon, monte à Fontaine sur haut, les contacts. Je me sens plus ouest, plein ouest, plein ouest. Non vu pour l'instant. Ah, non plus. Expose-toi. Oh, je viens de les voir. Confirmé, ils sont en train de courir toute la gang nord-ouest présentement. Environ 200 mètres confirmés. Coden? T'es là? Non alerté. Attendez avant de tirer, l'hélicoptère s'en vient porter du... Tire pas tout de suite. Quand l'hélicoptère va atterrir, probablement qu'on va avoir besoin de cover. Charlie Delta, commencez à vous approcher pour pouvoir les flanquer vers le nord-ouest. Copy groupe 2, nord-ouest. On avance 50 mètres au prochain cover, messieurs. Ouais. On engage groupe 2. Reset. Il y a un bazooka qui s'en vient. On s'est flanqué par le sud-ouest. Contact au sud-ouest. Reçu pour sud-ouest. On a encore des contacts nord-ouest, groupe 2. Alpha 2, me déplace sud-ouest. Vas-y Charlie, on a un petit accalmie, ouais. Resetting. Ramsey, dès que ton attel est fait, vous allez avancer 50 mètres en ligne droite, longer les roches par leur gauche. Delta, on va y aller un petit peu par la droite. Deux. Pas de progression. Deux. On s'en va confirmer les cadavres là, dans environ 30 mètres. À vous. 30 Sierra, pardon. Charlie moving. Reçu 2. Delta, on avance un peu aussi. Bravo, venez sur le côté sud-ouest. Gaston, il y a téléphone qui sonne. Mais il n'y a jamais personne qui répond. Non, je vois 5 cadavres au sol. Ok, groupe 2, gun up, on avance vers les cadavres au sol. Charlie, c'est un petit peu à votre nord-ouest. Reçu, on est en mouvement. Gun up, slow pace. Delta, on s'arrête ici. Charlie, double tapé. J'ai une... Bien reçu. J'ai une tranchée à droite. Tu peux y aller si tu veux. Ça a été accessible, là. Non, c'est Charlie tantôt, je pense. Groupe 1, formation ouest sur moi, bravo à ma gauche, à sa main droite. Groupe 1, bouge, direction nord-ouest. 2 à 1, à vous. 1.
2, vous devriez tomber sur nous si vous continuez nord-ouest. Le groupe de 5 est abattu, confirmé. À vous. Affirmatif, en action. 2, terminé. Plante une fois sur place, tu scanneras à l'aide de ton toolkit pour trouver la cache. Bon, messieurs, on est au centre du danger, on va faire un 360. Tu es 6 sur Delta, groupe 1. Bravo, es-tu de retour parmi nous? Bravo. Ouais, je suis en train de sonder la zone. Excellent. On est allé jusqu'au point 3 tout à l'heure, puis on a effleuré le point 4. Prends ça en considération dans tes prochaines recherches. Copé. On peut faire un 100 mètres nord-est, puis refaire la sonde à partir de là. Charlie, réinstallez-vous, venez-vous-en vers nord-est. On va épouser la formation Delta sur vous. Voyons, pas Delta. Comment est-ce qu'on l'appelle? Wedge. Wedge! Delta, exceptionnellement, on va prendre la gauche parce que groupe 1 est tout à droite présentement. Ah, ok. C'est vrai que c'est moi qui starte le wedge. Ouais, exact. T'es notre pointe de flèche. Alpha, on bouge. À déplacer. À ton nord-est. Oh, chaque temps que ça va être un problème, ça. Parce qu'on perd de vue? Ouais. Ah, c'est bien. Charlie, tu veux commencer? C'est momentané. Criez pas après votre maman dès que vous perdez quelqu'un de vue. Ouais. Ça nous oblige à... Charlie, un petit peu plus vers le nord. Une dernière douleur pour un plaisir. Bravo, tu sondes sporadiquement. Ouais. Gardez vos spacing et position, mais vous pouvez bouger si vous avez un cover à proximité. Là. J'avoue que ça m'a inspiré. La cache est marquée sur ma. Reçu. Bravo, vous allez être le lead à cause du détect. On va faire une formation autour de ça. Stand by pour les détails.
Bravo au centre, Alpha à sa droite, groupe 2, on va être à gauche de ça. Ennemi contact sud-est, l'autre bord de la butte. Ok, ligne étendue sur Alpha, direction sud-est. Tout le monde va voir un cover solide. Coden, on se trafique un peu, prends une meilleure position que moi, je vais prendre l'extrême. Il sert à rien pour l'extrémité pour l'instant, fait que... Attention, je pense que ça vient plus sud. L'autre bord de la crête, au sud. On se fait attaquer de direction ouest-ouest. Ouest? Alpha 2, change pour l'ouest. Charlie, tournée sud-ouest. Delta, on va checker ouest et nord. Je m'occupe du nord. T'essaies de trouver à l'ouest les ennemis, Coden. Ah, merde, je suis rentré dans la roche. J'essaie de trouver de la couverture un peu. Pourquoi j'ai plus de coups? Merde, on est-tu blitzé entre deux là? Oh, je vois des éclats ouest-sud-ouest. Je vais tirer sur l'arbre dans lequel j'ai vu les éclats en arrière. Est-ce que tu vois mes balles sur l'arbre? Du monde, je pense. Par contre, on a aucun cover. Je te laisse ma place si tu veux. Tu vas avancer direction est pour une menace à l'est. On va s'occuper de l'ouest. Reçu, groupe 2 en déplacement. Charlie, on s'en vient sur votre position. Attendez-nous. Attends. Ouais. Ok. Merde, cette roche là est dangereuse. Passe pas à travers. Coden Collis à la radio, laisse-le au groupe 1, on s'en va à l'est. Je suis. Vous êtes touché, Charlie? Oui. C'est pas mon rêve, mais... Ok. Vous allez descendre un petit peu vers le nord-est pour descendre votre profil de ceux qu'on a à l'ouest, mais on veut contourner pour après ça s'en aller est et sud. Fait que venez-vous-en plus vers le bas un peu. C'est le temps de faire un 50 mètres. Groupe 1, ceasefire. Ensuite, dirigez-vous à l'est, mais faites attention au sud. Coden, tu gardes le sud pendant qu'on avance à l'est, parce qu'on n'a pas beaucoup de cover, parce qu'on va remonter au sud après avoir fait 100 mètres vers l'est. Tu te rappelles qu'on a du monde à l'ouest, hein? Oui, mais groupe 1 s'en occupe. Il m'a demandé d'aller s'assurer pour l'autre groupe à l'est, nous autres. OK. Je vais enlever mon gros. Ouais, Charlie, quand vous êtes prêt, faites ça relativement vite. Le stamina, on va le sacrifier un tout petit peu, parce qu'on n'a pas beaucoup de cover. Cours jusqu'aux prochaines roches. On garde la droite. La menace était là tantôt. Faites attention. Contact à droite. Reset. Arrêtez pas de bouger. Tirez, mais arrêtez pas. Ok Charlie, dès que vous avez du cover, tournez-vous vers le sud-ouest. Change de roche, je te laisse la grosse. Excellent. Groupe 1 en repack. Charlie 1, j'ai perdu beaucoup de sang. Charlie 1, fait le nécessaire pendant qu'on est en accalmie, fait juste copier le sang, couper le sang. Oui, correctif, bien reçu. Je vois plus rien. Non plus, je vais tirer un petit coup pas loin de la roche là-bas, là. Un cadavre... Ouais. Est-ce que vous pouvez avoir un link comme ce groupe 2?
Je vais Alpha à ma gauche, Bravo à ma droite, on bouge direction S. Charlie, continuez dans ce sens-là, puis bifurquez vers le sud-ouest pour aller sur le dessus de la crête. On va aller confirmer nos cadavres. À la course, on va aller au bord de la butte. Let's go, let's go, à la course. Merci, on est en mouvement. Allié? 2 à 1, on vous en visuel à notre ouest. On est en train de monter sud-ouest. C'est là qu'on a tué des cadavres à confirmer. Attention à votre droite. T'as tué des cadavres? Ça veut dire? Section bifurque direction sud. Non, c'est un peu bizarre pour l'instant. On se regroupe, c'est tout. Double tapé ceux que vous croisez, messieurs. Good. Fontaine, Baron, avec moi, on va rester sur la couverture du côté ouest. Plante du Linkup avec Delta, puis tu vas aller chercher la cache. C'est rien. Je tire une grenade pour le tuer, une grenade fumigène. Je suis entièrement d'accord avec toi. Charlie, décalez-vous un petit peu vers l'est. Bon, on bouge pas trop, messieurs. On est en zone dangereuse pour les IED. Bravo, as-tu une confirmation? Qu'est-ce que ça veut dire, de la cache? Ouais, non, pas de la cache, mais des IED. T'as rien trouvé pour l'instant? Pour l'instant, non. Okay. Moi, je vais te demander comme question. Est-ce quelque chose qui est comme un détecteur? Je trouve rien. Non, si t'avais été à proximité, tu l'aurais. Section, il y a encore des tirs sud-ouest ou ouest. C'est ouest, c'est groupe 1 qu'on engage. Ah, ok. Reçu. Je garde ton bravo pour continuer la recherche de la cache. On le couvre pour l'instant. Affirmatif, je garde le reste de la section du groupe 1 avec moi. Bravo, continue à bouger vers ton intérêt. Charlie va te suivre de près. Merci. Delta, on va garder la périphérie au fur et à mesure qu'il bouge. Ouais. Groupe 1 est où? Il est l'autre bord à l'ouest, ils ont perdu l'autre bord de la crête, mais ils s'occupent des ennemis à l'ouest. Ok, donc j'ai pas besoin de... Non, checker. En théorie, on est correct. On bouge. C'est des coups de feu alliés qu'on entend, là. Ouais. Entre autres, disons. J'ai l'impression que je suis un petit bonhomme. Je suis... Ah, je suis un... Oh, il y a... Suivez pas Bravo de trop près, faut pas sauter tout le monde ensemble. C'est juste Bravo qui doit sauter. C'est sûr qu'on a la possibilité d'avoir un médic. ID détecté, ok. C'est supposé d'être sonore. On en parlera avec Baron. Faut peut-être l'active ou quelque chose comme ça. Tu feras un check-up avec Ace équipement, là? Ouais, s'il faut que tu l'actives pour ton son. Non, c'est effectué. Il semble qu'il faut l'activer quelque chose. J'ai le feeling, moi aussi. Mais si tu l'as trouvé, c'est que ça fonctionne en frais de détect pareil, là. C'est quoi déjà pour activer le GPS? Arma? Le GPS Arma? Ah, oh, moi j'ai changé mes touches. Toujours le même. Toujours la... C'est à tout. Deux. Ça clame sur votre progression. Deux. On est rendu au point cache. La cache est détectée et les ID dans son pourtour aussi. Bravo 1 est présentement sur le projet. On est groupe 2 autour de Bravo 1. À vous. Reçu une fois que les pièges ont été désamorcés. Vous pouvez communiquer avec Hôtel qu'ils puissent s'en venir avec les satchels. Bien reçu. Prendre note également que j'ai un élément Charlie qui va avoir besoin de traitement avec le DCCC. À vous. Ça marche, là? OK. Mais t'es supposé d'avoir un radar pour ça, en plus, là. C'est effectivement... si tu trouves ta touche pour tes radars puis GPS, t'as juste à swapper pour l'annexe puis tu vas tomber sur ton radar.
Ok, ouais, mine detector fail, je suis pour lui. Yes. Faut juste que je repasse sur le GPS. Ouais, ok. Non, ben dès que t'as désarmé, oui, je vais faire venir au hôtel. Ah, copé. Ben, je vais venir, faire venir au hôtel pareil. Alright. Hein? Oh, j'ai été blessé, bravo 1, est-ce que ça va? Ah bon, hein, c'est trap. Oh, Charlie, ouais, marche pas, là. Groupe 1, on se dirige direction S sur groupe 2 pour pouvoir back up. Charlie, avez-vous un visuel sur Bravo? À vous. À la course. On est en direction, là, avec le TCC. Bien reçu, j'ai pas de réponse de Bravo 1. On va aller sécuriser sa position. Charlie, approchez-vous un tout petit peu. La bombe a explosé, ça devrait être moins dangereux. Prenez le côté sud de Bravo pour couvrir. Bravo est en vie. Copy. Bravo réveillé. TCC, tu as juste à suivre la formation. Tu vas te rendre jusqu'à Bravo. Il est gravement blessé. Delta, on reprend le derrière. Il allait dire que je pouvais caller, Frank. Tu veux-tu le caller, hôtel? Oui. Hôtel, sonnerie. Hôtel. Hôtel, on va être prêt pour livraison des satchels en coordonnées 084150. Je redis 084150. 084150 en direction. Je te cherchais, JF. Je suis caché dans la poussière. Elle est parfaite pour déployer. Je vois bien autour. Hein. Il va falloir qu'on fouille dans les logs. Ouais. Ça remonte pas, là, c'est bizarre. Je m'attendais à un memory leak au niveau de la source. J'avais déjà ce message-là qui me passait. Là. Quand il essaie d'éteindre la tornade, là, j'ai des fois des petits memory leaks. Ils ne trouvent pas une source pour un client. Puis il reste encombré côté serveur, je pense. C'est hôtel, arrivé un mic, pop smoke. C'est peut-être ça pour vérifier si ça correspond à ça. Ouais. Ça devrait arriver quelques fois. Purple smoke, purple smoke. Le problème, c'est qu'il ne récupère pas après. Hôtel, purple. Ouais. On a les deux logs, on verra ce qui se passe. Ouais, on a les heures dans les deux. Okay. Vous restez Charlie sur place tant aussi longtemps qu'on n'a pas mis les satchels sur... Céleste. Ok, bravo, un hop, là, j'attends juste la satchel là, pour okay. Mettre le clicker. Section, prenez note que groupe 2 va quitter la zone pour se diriger sur la FOB une fois que les satchels vont être posés. Reçu. Groupe 2 embarque dans l'hélicoptère. À vous. Capitaine, on approche. Ouest. Capitaine, approche. T'as-tu la purple, Frank? Ouais, je l'ai lancé. Ok. Ouais, la tempête de sang, ça doit pas être difficile. Ben, lui, il voit mieux que nous, là. C'est quand t'es proche du sol, tu vois pas. Ouais, il semblerait que lui, il la voit bien. La preuve, d'ailleurs, il va direct dessus. Groupe 2, on y va. Plante, tes satchels sont là. Groupe 2, 360, on n'embarque pas tout de suite. On va attendre que Bravo a ramassé son matériel. Bon, on couvre le sud étant donné que groupe 2 s'en va. Sud. Hôtel en standby. C'est bon pour Bravo. Drop 2, on embarque.
All in, mon JP, on peut y aller. Ouais, RTB, JP, on va aller défendre. Ok, c'est vrai. Ok. Une fois que notre RTB viendrait nous rechercher dans la suite de groupe. Hôtel, même 3 matchs. C'est vrai. Charlie, une fois rendu sur les lieux, profitez donc du temps avant que ça pète pour aller renforcer les points qui vous manquaient. Bien reçu. Une fois terminé, vous embarquez dans le véhicule de votre choix. Vous attendez sur piste. Ne casse-nous pas les jambes à l'atterrissage, là! Tu peux nous le dire si tu veux qu'on lève les pieds avant que t'atterrisses, là? Trep sur munitions. J'en ai un green green. J'en ai un green green. Delta 2 green green. Delta 1 green green. Excellent. Plus longue? Hein, t'es sérieux? J'ai mis 50... Ah ouais, ok. Ah, j'attends ton call pour sauter, là. Voilà. Delta, on n'ira pas en position tout de suite, on va attendre un peu, ça donne rien. Fallait qu'il te donne du sang? Viens donc ici. Rentre là-dedans, je vais te faire, je pense que je peux te faire un pack. Je vais te dire ça, j'ai-tu accès à toi? Copilote, passenger, ramusé. Oui, je peux y aller pareil. C'est bon. Ah, si ça marche pas l'auto. Non, ok, je peux pas te le faire moi. Ça prend absolument un medic. Voilà. C'est pas non plus critique. Ok. J'ai tout sur ma conscience. Ça va, Ouais, c'est ça. Prochain coup, ça va peut-être commencer à être nécessaire. Alright. Tu veux qu'on se place comment? Nous, on va aller à Delta. C'est-à-dire ici? C'est un peu plus bas, en fait. On sort 150 mètres de la zone, puis on s'en va à une position. Elle est déjà renforcée par Charlie légèrement, mais tu vas voir que la topo nous permet de se protéger de pas mal toutes les azimuts. Ah, je vois des... Ouais, c'est ça. En fait, on s'amuse sur une zone d'environ 50-75 mètres carrés. Là, on a tout ce qu'il faut en frais de cover pour checker notre 100%, notre 360. Là. Ok. On met un frigo? Non, j'avoue, j'ai pas pensé à celle-là. Moi, je travaille pas dans des conditions comme ça. Hein. C'est vrai, il fait chaud. C'est manque de désaltérant. c'est inhumain. Un miner à sonnerie à vous. Un miner Delta s'en va en position défensive au point défensif Delta. J'ai mis Charlie sur la fortification des derniers points. On va vous attendre en position. À vous.
Stand by. Je lève mon antenne, je te rattrape sous peu, Coden. Ok. On est arrivé, tu vas être... Ah putain, on a des arbres sous le nez. Purple smoke. Visuel. Et là, c'est pas fort. Ah ben, les tests radio, à vous. Fine, c'est là, j'ai pas eu mon antenne aussi. Déplacé par rapport au marqueur. Un miner, je disais, j'ai envoyé Charlie fortifier les derniers points défensifs. Pour ce qui est de la Delta, on est déjà sur la position défensive Delta. On vous attend. À vous. J'aimerais faire une pointe et j'aimerais faire une plainte sur les tranchées. On parlera à Charlie au débrief. C'est vraiment pas fort, là. Ils nous ont fait les tranchées derrière les arbres. Ah ouais, ok. Regarde, il y a une petite roche ici ou la petite crête comme ça, là. Je pense que tu peux avoir quelque chose de bon. Ben, on aura un point pour se reculer. On va le prendre comme ça. De toute façon, on joue dans le 50 mètres carrés ici. Là, on se met à l'aise. Oh, ouais, non, c'est juste que... Ah, c'est comme un Mission Maker. Prochaine fois que je vais leur demander, ils vont s'améliorer. Je vais prendre Sud-Est. Sure. Ouais, le stamina. Qui nous bouffe le serveur. Alors, soit la solution ne fonctionne pas du tout pour une raison quelconque. Soit on a un script qui ouais. Les performances. Ouais, je vois les pics là. En fait, le truc, c'est que ça remonte pas. On est un dip à un moment, bon, c'est normal, mais là... Là, on n'a plus rien et ça a pas remonté, ça fait que baisser depuis tout à l'heure. Ok. Et tu sais quoi? De toute manière, on pourra regarder le moment où ça descend d'un coup parce qu'on le voit bien. Là, on verra ce qui se passe dans le log d'activité. Et je pense que tu as le même problème sur Tchernarus. Ben, j'ai un script qui date autant, qu'il soit pour la neige ou pour le... Ouais. Ben, en tout cas, si c'est ça le bobo, on saura. Ouais, qu'on regarde plus. Le seul avantage, c'est que sur Tchernarus, je fais pas une boucle qui l'éteint puis le réallume régulièrement comme je fais ici, là. Fait que ça pourrait être beaucoup pire ici, si jamais c'est ça la source de Memory Link, là. C'est pire ici. Ouais, ok. On le voit, parce que Tchernarus, ça descend tranquillement. Bon, ben, je soupçonne de plus en plus que c'est ça, Conan. Je suis pas mal sûr. On synchronisera les logs tantôt, là. Alors, regarde, ça va être vite vu, on a les heures sur les deux. Ouais, c'est ça. Oh, voilà. On commence à ouvrir les yeux. Bientôt, pouvant être encore un petit 5 minutes, mais oui. Bon, ça va, je suis pas pressé. Hein. Moi non plus. Delta Charlie, c'est trep. Loud and clear. Sur quel point vous êtes rendu à fortifier et quel vous reste, à vous? Toutes les positions sont fortifiées, on est en train de patrouiller la piste. Bien reçu. Venez donc faire un petit tour sur Delta rapidement. On a une petite demande pour vous. Coden? Ouais. Commande-toi deux murs quand ils seront arrivés. On a le temps en masse pour le temps de faire deux murs. Parfait, je pense qu'on va les faire ici, à la limite, là. Ok. T'en penses? Ouais, c'est notre point faible, effectivement. Toute cette zone-là, là, que je parcours, là. Ouais, parce que tout mon ouest, là, j'ai ce qu'il faut en frais de rocher, là. Ouais. Ouais, toute cette zone-là, peut-être. Charlie, venez sur position, la Delta. On voudrait des petits murs, là, le long de la petite dune de... Bon, vous êtes à côté. Qui a fait... Sur Coden. Pendant une tempête de sable, on voit pas grand-chose. Elle est à peu près sur la position de Coden, là, puis couvrez-nous l'hémisphère est un peu à partir de sa position. Ouais. Oh, Ramsey, ici, c'est correct. J'ai la petite butte qui me sert déjà bien. Ah, ok, bon,
Ouais. Va élargir un petit peu la position de que ton autre Charlie fait là. Bravo, vous allez prendre votre position, position défensive, bravo. Merci Charlie. Merci. Il va retourner sur position sur piste. Frank vient d'arriver. D'après moi, vous allez être pris en charge sous peu. Sinon, ben, c'est pas mal ça la drill, les gars. Vous allez renforcer les points qui sont vraiment dans le caca. Sinon, vous gardez votre zone de piste. C'est bon. Fait qu'on reste en piste. Il est parti sans moi, l'autre. Hein? Ouais, le moteur tourne pas, c'est toujours bien une bonne nouvelle. Ah merde, ça se lève. Ouais, c'est ça. Normal que ça se lève. Je jure qu'il n'y a pas de relation entre les deux. C'est ça qui tue le serveur, en fait. Les AA, les AI qui calculent quand est-ce qu'ils doivent déclencher la tempête. Eh merde. Ben bon, on va des binoculars, ça sert à pas grand chose. Ah non, je pense même que c'est deux ici là. Ouais. Deux à l'écoute. Deux à l'écoute. Prends note que groupe 1 est RTB. Le TCC est parti avec hôtel afin de l'aider à trouver les futurs caches d'armes. À vous. Deux, bien reçu. Delta et Charlie devraient être également en position. À vous. Hey, c'est moi ou la map est comme inversée, genre? Qu'est-ce que tu veux dire par inversée? Le problème n'a rien à voir avec le CPU. Je parlais des grids, elle ne commence pas à 0000, mais c'est quand même dans le même sens. On a le 00 au niveau de la Northern. Ici Charlie, contact ouest. Contact ouest, confirmé. Tu les as vus? Non, excuse. Reçu que je voulais dire. Je reprends pas radio. Sonnerie, c'est hôtel. Sonnerie. Hôtel, on a localisé là un espèce de petit compound avec des tangos à l'intérieur, là, marqué sur carte à vous. Yeah. Ouais. Hôtel, là, il nous empêche un peu là, de progresser. Là, on va over pas loin de la base, là, en attendant des... Je suis à ton nord-ouest, là, tout près. Charlie, reste toujours en
mouvement, ne faites jamais aucune halte avec votre véhicule, toujours en mouvement. C'est Charlie, bien reçu. Fait que si on prend note que Alpha 1 est seul sur la position Alpha. Reçu. On a un visuel sur votre position, mais pas sur vous. On est à votre sud-est, 300 mètres. Reçu, je suis sur le top de la grosse roche directement sur le P d'Alpha. Eh hey merde, on va les voir, il va rester 100 mètres de visibilité entre eux et nous. Là on commence à plus rien voir là. Charlie, quittez la zone, vous reviendrez sur un second passage, étant donné qu'ils sont déjà aggro sur votre position. Bien reçu. Oh. Quand j'entends sud-ouest maintenant. Peux-tu que je me déplace? Ben, c'est que dans quelques secondes, je pense qu'on va confirmer tous les azimuts d'intérêt. Non, attends un peu. Attends qu'on ait un visuel pour que ça vaille la peine, non? Bien. Ouais. Non, il peut y avoir des petits cycles de bourrasque de vent à l'intérieur d'eux. C'est vraiment quand le flou arrive que tu sais que ça s'en va. Ah ouais. Bien foutu. Ça tire-tu à l'est? Ouais. Contact au sud de la base. Sud-est pour les stations. Ok, ouais, c'est à notre est. Reçu, c'est donc à l'est du point Delta, messieurs, plus à l'est de notre secteur. Charlie, si vous êtes capable de vous en occuper, allez-y directement dessus. Charlie, bien reçu, en mouvement. Ok, focus l'est, je vais me déplacer pour l'autre. Ah ouais, je suis focus l'est. Hôtel, sonnerie. Ok, j'ai du mouvement là-bas. Oui. Lorsque vous avez trouvé deux cases... Engage, Charlie, il est supposé être en véhicule, fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Si c'est à pied, c'est ennemi. Je vois plus rien. Hôtel. Assez loin, ils sont, tu vois les... Oh! C'est moi qui vois, en tout cas, ça vient de me siffler à côté de la tête. Ouais, ils sont vraiment complètement à l'aise. Mais on les voit plus, là. Eux, ils ont l'air de nous voir, par contre. Ouais. Tire dans le vide. Bonne idée. Dès que j'ai un visuel, je sors les patates. Putain, eux, ils me voient en tout cas. Multiple contact venant du sud-ouest. Attention, il y a le véhicule à est-sud-est, 300 mètres. Véhicule Charlie. Charlie, on vous aperçoit, vous arrivez sur notre point. Affirmatif, on voit aussi. Vous avez pas roulé sur les ennemis en vous en venant par là? Négatif pour l'instant. Et les ennemis doivent être au nord-est maintenant, hein? Ouais. Je pense qu'ils sont passés en loose-dé entre nous, là. 2 à 1 à vous. On est trop loin avec la tempête. Envoyé. 2, les ennemis au sud-est ont flanqué à l'est complètement de la position Delta. Ils sont sûrement plus au nord de notre position. Faites attention peut-être à l'entrée est de la base. Reçu, prendre note que la position au PD Alpha est compromise, ils sont sur ma position, juste en dessous de ma roche. Reçu, est-ce que vous repliez à la base, à vous? Négatif. Ok, quand il y a une tempête, ça fonctionne pas la stratégie. Effectivement. On est trop éloignés les uns des autres.
Ouais, ben, ouais, c'est vrai. J'aurais un visuel, mais j'en ai pas, effectivement. Ouais, je ralentis beaucoup au niveau script, mais ils finissent par nous spotter, effectivement, avant nous. Ah, okay. Heureusement qu'ils tirent mal. Aussi. Les Stormtroopers? Un peu plus bleu que ça. Ok, j'ai des visuels, ouest. Ouest? Ouais, ouest, environ 200 mètres. Oh putain, ils sont derrière nous. Ouvre le feu comme tu peux. En théorie... Hey Charlie, mon Charlie 2 est inconscient pour l'instant. Je vais me replier sur le piste d'atterrissage pour faire les manœuvres de médic. Reçu Charlie. Reçu Charlie. Très bien, votre soir et la tempête qui s'arrête pas, bordel. Ok, ils sont rendus proches. Ah oui, ils sont rendus très proches. Que dalle. Je vais tirer un hunt ailleurs, je me couche. C'est bravo, là, c'est tranquille à l'est pour l'instant. Est! Est! J'ai besoin de quelqu'un pour du CPR. Je suis à l'entrée de la base. Donnez-moi la coordonnée, je vous rejoins. Charlie, dirigez-vous sa position de bravo pour la manœuvre. Ranger Close, quelle direction? Est, quelque part. Coordonnées. Tapé. 5, 1, 3, 5, 8. Charlie, bien sûr. Je les vois pas là, ils sont vraiment sur nous, je pense. Okay. On est en deux caps de roche. Reste dans ton cercle, au moins ils vont être obligés de l'enjamber. De toute manière, là, je viens de toucher à la jambe, faut que je me foute un spin. Vas-y, okay. Je te surveille un peu. Ah merde, ça vient de l'ouest. Sud-ouest. Je suis arrivé sur le position. Ouais. Et on voit que dalle. Sonnerie, c'est hôtel. Sonnerie. Deuxième cache localisé, on retourne à la base. De... Ok, attention, ouest-nord, nord-ouest, il y a un angle sur toi, Coden, fais attention. J'en vois un. Un tué. Ah oh ouais, ils sont à 50 mètres de nous ici, là, à l'ouest. Pour les forces ennemies, pour l'instant, vous? 360! Ouais. 360! Roger, donc ça va être un hot SD. Je vais même pas me relever, je me fais poivrer en sensation. Pas plus de choix. Affirmatif. Hôtel. Terminé. Bouge une fois de temps en temps, gauche-droite, pour les obliger à réajuster, parfait. Ah, sûr, là, une fois que t'es LND, là, tu resteras à l'intérieur de la base pour que ton Charlie puisse venir te chercher. Lima Charlie. Wow! Oh. Yeah, je le vois. Je le voyais. Merde. Ok, good. Un de moins. Delta, on est cerné Danger Close, Azimut Ouest et Est. Ramsey, t'es à l'écoute? Je pense qu'on est aussi bien de rester ensemble. Ouais. Puis pas trop assez serré, Ramsey, ouais. T'es à l'écoute? C'est fraîchement atterri sur le champ de bataille, allez, Nico. J'ai mis un split. T'as vu qu'il est où? Je peux pas. La zone B. Ah, putain, j'ai un tour d'ici. Bravo, il voit le code. Bravo, le code. À l'aide du véhicule, vous allez récupérer Delta. On va se ramasser close, puis on va faire à l'intérieur de la base. Bravo, reçu. Deux tiens. Deux à l'écoute. Je t'envoie que bravo, vous venez de pick up à l'aide du véhicule, on va défendre à l'intérieur de la base, on se fait trois cercles en ce moment. Reçu, ouais, on n'a pas assez de visuel pour que ça vaille la peine ce qu'on fait là. Non, ça fonctionne pas du tout.
OK. Bravo s'en vient sur notre position. On va faire probablement un link-up à notre nord pour aller vers la base. OK. Dès que tu entends le véhicule, tu me le dis, on rentre dedans. Oh! Voilà! Ah ben là maintenant ça fonctionne. Bon, on a-tu un pic sur le serveur, là? Alpha 2 demande instruction. Non, non, ouais, on a gagné... Hôtel demande instruction. Prenez-vous des guns, prenez-vous un snark de tir. Bravo, Alpha 2, checkez s'il n'y a pas des blessés. Il y a des blessés, je confirme. Ouais. Moi. Ok, bon. Delta 1 ici, Alpha 2. Ouais, on a été dépassé. Je vois des tirs à notre nord-est maintenant. Ouais. Je vois des traçantes passer gauche-droite, là. Ils nous ont vraiment dépassé par le nord-est, mais comme on voyait rien, c'est suffisamment loin pour qu'on les voit pas. Ouais. Je cherche. Véhicule. Ouais. C'est vraiment le Delta, on est sur votre poste. On arrive. Gunner de Bravo, on a des contacts sud-ouest close range. Et comment on rentre là-dedans? Par en arrière? Ouais. Right in back. Hôtel, vous allez faire Delta in. Il y a ici l'appareil, vous partez de la zone. On peut sortir ici? Il y a peut-être un turnout? Ouais, toi t'as l'air d'en avoir un au-dessus de ta tête. Ouais. Moi je suis pas à bonne place. Hôtel, là, allez-vous m'embarquer un gunner à vous? Négatif, j'avais dû débarquer pour l'appareil et prendre un gun parce qu'on se fait attaquer proche de la base. Ah, Roger, j'avais pas compris, ben on va lander d'abord. Non, ne pas s'arrêter. J'ai l'impression que ça venait de mon côté. Ok, voilà. Yes, all out. Delta, est-ce qu'on conserve le sud de la base, à vous? En tour? Si tu veux, moi j'aime pas vraiment la tour. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On garde ici ou pas? Ouais, Delta, viens sur l'extrémité sud-est. Ton bunker ici va te permettre de garder et l'est et le sud. Si la tempête recommence, là, au pire, va te percher dans la... Ah non, il y a déjà Bravo. Munitions? Non, de médic, je pense pas. Non, la jambe est bleue, non. C'est parce que je chiale, mais ça a l'air d'aller. Ok. Je peux courir, ça va bien. Je vois des hélicos. Ah, ok, ouais, c'est Frank qui a fait ça. Hôtel 3. On est toujours en train de chercher les derniers. Ouais, là on vient de se redéplacer. Charlie Alicot. Hi, d'un véhicule, vous avez commencé à patrouiller en faisant des grands cercles close autour de la base. Bien reçu. En mouvement. Alpha 2, CF1. À l'écoute. Est-ce que tout le personnel médical, tous les personnels blessés ont été médiqués? J'ai personne qui s'est rapporté à moi. Delta 2 aurait besoin d'un traitement médical, enfin juste un check-up pour être sûr, à l'extrémité sud-est. Pas sûr que j'ai besoin, j'ai un peu... Non, mais on va en avoir le cœur net. Ouais, en arrière de moi, Baron, au coin. Pas sûr que j'ai besoin. Non, mais je veux que tu le checkes pareil pour confirmer. Frank, peut-être ramener les combat support parce qu'on avait du aggro dans ce coin-là. Ils sont peut-être en train de courir après les hélicos dans le fond au sud. Ça venait un peu de temps. Ok, c'est tout, bon. Je vais donner 1500 minutes pareil, parce que je n'ai pas donné grand-chose à faire pour vous amener de réserve. D'accord. Sinon, il y a l'hôpital en arrière, là, qu'on peut mettre à l'heure aussi. Oh non, mais je pense qu'il y a un peu de monde ce soir. RPG! Ça venait! Ça arrivait du nord?
Affirmatif. De toute façon, le chopper a pas mal été sauté. Effectivement. Charlie, dirigez-vous vers le nord, faites attention à PG là. Charlie, bien reçu, en mouvement. Ouais, mais je pense qu'ils sont partis après nos hélicos qu'il y avait dans le ciel au sud. Frank les a tassés de la base, là. C'est peut-être ça qui a fait qu'on n'a pas été overwhelmé, d'ailleurs. Alpha 2, ici Alpha 1. Contact sud-ouest, 300 mètres, arrive sur la piste. Est-ce que le personnel a été guéri à vous? Affirmatif. Reçu, tu vas embarquer avec Hôtel, vous allez commencer à patrouiller puis scanner la zone. Pointe-toi un thermal pour trouver des cibles restantes. Hôtel, c'est vrai. Reçu. Hôtel a sauté sur le RPG. Hôtel, vous prendrez votre appareil puis vous irez avec le marksman scanner la zone. L'appareil d'hôtel a été détruit par le RPG. Ah ben, hôtel restera à pied à la base. Roger. Ici Charlie, on est au nord de la base, on a aucun contact pour l'instant. Reçu, allez à peu près 200 mètres à l'est, puis après ça 200 mètres au sud, 200 mètres à l'ouest. Bien reçu. Alpha 1, Alpha 2. Alpha 1. J'ai des signatures thermiques inertes. Ça bouge pas. Direction. Tout le tour. C'est blanc, mais ça bouge pas. Donc c'est mort, c'est blessé, mais ça n'a rien qui bouge. Puis fais-nous une petite pause, voir si c'est rien de l'inconscient. Si c'est le cas, supprime ça. Oh! Je pense qu'il n'y a plus rien dans la base, messieurs. J'ai pas de détection. Charlie, venez faire le taxi driver, venez me ramasser à PD Alpha, s'il vous plaît. Bien reçu, Charlie Mouvement. Ça a l'air clair, on n'a plus de détection autour de la base. Ouais, sauf qu'il n'y a plus d'ennemis. La carte est libre, là, en ce moment. Ah! Bon, c'est bien. Je pense que les inconscients sont morts. Ça les a enterrés, c'est plus rapide. Ouais, c'est ça. Ils se sont étouffés plus vite avec la tempête. Tu peux pas les faire crever plus vite, dans ce cas. Ou c'est le gars que j'ai tiré sur la piste, là, qui était... C'est le dernier qui restait d'inconscient, peut-être. Charlie, sur zone alpha. Ben, c'est un bon timing, 9h30. Non? Ouais, comme vous voulez, moi ça me dérange pas. Je travaille demain. Ouais, moi aussi, c'est dans ce sens-là. Là. Bon, on n'est toujours pas trop l'été, comme ça, ça... ça garde la chose un peu plus dynamique. Ah, la tempête, c'est bien. C'est notre stratégie qui n'était pas adaptée à la tempête. Ouais, effectivement. Mais on s'en est mieux tiré. Il n'y a eu personne à l'intérieur de la base, par exemple. De ce côté-là, c'était gagnant, là. Elle fonctionne bien, à condition ouais. De pouvoir voir, quoi. Oui, c'est ça. Le timing nous a coupé court un peu sur le visuel. Jet, on a un screenshot des marqueurs. Sur la droite, là. Ça ne changera pas parce que je fais rien qu'enlever celle qu'on a détruite. La 1, je l'ai déjà pris en note. Votre patrouille autour de la base avec le véhicule. Ah, ouais. OK. Ouais.
devant l'écoute. Ben, voir l'écoute. Prenez le véhicule britannique, puis faites aussi un tour autour de la base temporairement, là. Ça serait que tout est correct. Ah oui, c'est correct, puisqu'on a plus de... Allô, Frank? Oui? T'es où? Médecine? Hôpital? C'est bon. Alpha 1, c'est Alpha 2. Alright. On repart une ronde? Non, on arrête ça là, j'imagine. Alpha 1, écoute. J'ai mis un marqueur à 0, 1, 2, 1, 3, 3. C'est pour aller inspecter. 0, 2, 1, 1, 3, 3, vu. J'ai joué des mouvements, mais je sais pas si c'est des branches, des arbres ou de quoi là, qui bouge là-bas. Reçu. Charlie, est-ce que vous pouvez investiguer les coordonnées 0, 1, 2, 1, 3, 3? Oui, on est en mouvement. Ah oui. Ouais, il serait hors détection. On arrête ça après la défense, j'imagine? Oh oui, oui. Ouais. Tant qu'on en fait, on n'aura pas le temps d'attaquer et défendre. Attaquer et redéfendre, là, c'est ça. Mais là, okay. On a des positions, il faut juste les prendre en note. Je viens de faire un screenshot. Fait qu'anyway, je vais les... en adaptant à la carte, je vais les laisser hard-coder dans la map. Parfait. C'est bon, ça? Parfait. Ça te va, là, je mets un point vert, t'as vu, là, celle qu'on avait faite la semaine passée, là? Oui. Comme parfait. Ça, tu sais où est-ce qu'on a déjà été. Oui. Alright. D'abord, faudra que tu montes les murs plus haut. Ouais? Ouais, comme vraiment, comme qu'on a à Kandahar ou whatever, c'est des murs plus hauts. Ouais. Le même principe que ces buts-là, comme t'en mets un de même, que je puisse grimper dessus. Puis avoir un autre set. Ben, il y en a qui ont les deux colonnes, là, une pour commencer à monter dessus, là. Je vais mettre ceux-là. Ouais, c'est ça. Parce que autour des autres, là, en ce moment, on... Tantôt, c'était super efficace ce qu'on a fait. Le seul problème, c'est la tempête qui nous empêche de voir. Ouais, il y a ça. C'est ça. Ça fait qu'on s'est fait contourner, même si on passait proche de nous, là. Affirmatif. Ouais. On va mettre une double structure, puis de même, ça va nous éviter d'avoir des RPG, parce qu'en ce moment, un RPG peut tout décoincer en base. Ben, il faut qu'il trouve ses trous quand même, ouais. J'ai fait exprès pour mettre des clôtures brisées une fois de temps en temps, là, mais... Ouais, ben, check, direction sud-ouest, là, c'est... n'importe qui peut tirer n'importe quoi. C'est clair, ouais. OK, ben, je vais te blinder ça, pas de trouble. Je voulais la difficulté, mais je peux te faire ça, là, c'est pas un problème. Ouais, mais tu peux augmenter les waves. Aussi. OK. Augmente les waves, mais donne-nous quelque chose en parenthèse qu'on est possible. Parce que juste le sable d'en face, ça, c'est une grosse difficulté qu'on a. Mm-hmm. Absolument. Ben, je pense que je vais te faire deux sets de waves à deux distances différentes. J'ai fait un massacre. Ouais, OK. Et quand qu'il était là, ben, je voyais fuck all, rien à part qu'avec ta 15 pieds de bois. Ouais, c'est ça, d'auto aussi. On s'est mis à tirer une fois qu'il était rendu danger close, là. Ouais, c'est ça. Ouais. All right. Section